Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. D'abord les titres. Maurice se prépare à affronter une nouvelle épreuve cyclonique cette semaine avec la menace imminente de la future tempête tropicale Eleanor, prévue d'influencer le temps des mercredis. Maurice pourrait avoir des rafales de 120 km à l'heure dès jeudi, accompagnées d'orages et de pluies torrentielles. Bien sûr, cela dépendra de l'évolution de l'intensité et de la trajectoire du système qui se dirige actuellement vers Saint-Brandon, où des rafales pourraient atteindre les 180 km à l'heure. Et la hausse vertigineuse des prix des légumes, les planteurs se défendent, le mauvais temps pourrait être la cause. Une situation qui pourrait s'aggraver à l'approche du cyclone. Mais les consommateurs dénoncent, je cite, des pratiques abusives. Planteurs et maraîchers tentent de se justifier au cours de ce journal. Elle dit qu'elle était une femme battue. Marie-Lourde Jolicoeur admet avoir tué son concubin Frédéric Natian, 50 ans, à coups de cutter. La scène s'est déroulée à leur domicile à Dieul-Vacois, après une soirée arrosée qui a dégénéré en dispute violente. Marie-Lourde invoque la légitime défense. Au chapitre international, suite au décès d'Alexei Navalny, sa veuve promet de poursuivre son combat pour une Russie libre. Elle accuse directement le président Vladimir Poutine de la mort de son mari et laisse entendre qu'elle divulguera bientôt des informations sur son implication présumée. Navalny, 47 ans, était incarcéré pour des accusations largement perçues comme politiquement motivées. En fin de journal, nous parlerons sport avec nos boxeurs Richard Nocollin et Mervin Clerc qui se dirigent vers l'Italie pour les derniers préparatifs avant le tournoi de qualification olympique à Busto Arsizio. Tout laisse présager que Maurice vivra à nouveau des moments cycloniques cette semaine. Et cela pourrait commencer dès mercredi avec des conditions cycloniques potentielles, c'est-à-dire des vents de l'ordre de 120 km à l'heure ou plus dès jeudi. Il y aurait aussi des orages et de fortes pluies. Pour l'instant, le système se dirige vers Saint-Brandon. Les observations à Saint-Brandon donneront une idée claire de la force du cyclone. Les services météorologiques prévoient des vents pouvant atteindre jusqu'à 180 km à l'heure là-bas. La future tempête tropicale Eleanor représente une menace directe pour Maurice, mais pas que, pour toute la région. La future tempête tropicale se trouvait à l'est-nord-est de Madagascar ce matin. Le prévisionniste Vimal Mangal intervenait sur A2+ plus tôt cet après-midi. Écoutez. Eleanor poursuit sa trajectoire vers Saint-Brandon où des rafales de 180 km par heure sont attendues demain soir. Nous remarquons qu'en ce moment, il bouge vers l'est-nord-est, mais graduellement, il commence à amorcer un virage, c'est-à-dire sa trajectoire pour changer. Mm-hmm. Il bouge un petit peu plus vers le sud-sud-ouest. De ce fait, l'île qui vous concernait, c'est l'île de Saint-Brandon. Mm-hmm. Éventuellement, à partir de 12h45, nous avons un premier bulletin cyclone pour l'île de Saint-Brandon qui nous finit émettre. Mm-hmm. Donc, que nous avons mentionné, qui est capable d'avoir une rafale de l'ordre de 150, voire même 180 km par heure d'un jour à venir à l'île de Saint-Brandon. Dans le scénario où Eleanor effectue son virage au nord-ouest de Saint-Brandon, le futur cyclone représente une menace directe pour Maurice. La valeur du jour, ce qui nous est non comme information, il me paraît qu'il passe plus au nord-ouest de Saint-Brandon et après qu'il commence à quitter Saint-Brandon, éventuellement, il peut approcher avec Maurice. Mmh. Alors, d'ailleurs, de nous ben communiquer aussi, nous ben dire qu'à Maurice aussi, nous pas ben écoute, ben risque que les temps pour capable d'étériorer à partir du mercredi soir jusqu'à au moins le week-end. Bien sûr, si jamais Eleanor commence à venir une menace pour Maurice, et d'ailleurs, il peut paraître qu'il peut venir une menace pour Maurice, nous pouvons commencer à émettre ben warning cyclone pour Maurice aussi. Les conditions cycloniques pourraient déjà être ressenties dès jeudi, et ce, jusqu'à vendredi. Première indication qu'il nous donnait, nous ben dire qu'à partir de jeudi, il n'en sera pas un risque
de 120 km par heure là. Donc 120 km par heure, il y a des gens ben vont très fort, ben conditions cycloniques même, le cas va appeler. Météo France suit ce système de près. Le futur cyclone représente une menace pour toutes les îles de la région. Justement, pour toute la région, on est capable de dire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il Maurice, nous sommes à l'île Rodrigue, nous sommes à Saint-Brandon, nous sommes aussi à l'île d'Agalega, et que nous guide position que cette dépression libre évoluer, que d'ailleurs, il peut intensifier dans les prochaines heures, nous sommes capables d'aller. Donc, il peut paraître qu'il peut être une menace pour toutes les îles de la région. La station météo a émis un premier bulletin cyclonique pour Saint-Brandon. Le système devrait s'incurver vers le sud à partir de demain. Sur cette trajectoire, il devrait s'approcher dangereusement de Saint-Brandon. Faisons suite aux prévisions météo à l'approche de cette dépression tropicale. Une possible dégradation du temps pourrait affecter les opérations d'Air Mauritius dans les jours à venir, en particulier le jeudi 22 et le vendredi 23 février. En conséquence, si vous souhaitez modifier votre date de voyage à partir d'aujourd'hui, Air Mauritius vous propose un changement sans frais pour des voyages jusqu'au 31 mars 2024. Afin d'assurer une communication régulière et efficace, Air Mauritius fait un appel pressant auprès de ses passagers pour s'assurer que leur numéro de contact, c'est-à-dire leur numéro cellulaire, soit renseigné dans les réservations à travers ses partenaires, c'est-à-dire les agences de voyage, indique la compagnie d'aviation nationale dans un communiqué. Par ailleurs, une page sur le site web airmauritius.com donne accès aux mises à jour concernant les vols affectés par le mauvais temps. Cette page permet aux passagers une gestion à distance de leurs itinéraires. Les prix des légumes est l'une des raisons avancées, le mauvais temps qu'on a eu récemment, une situation qui pourrait donc potentiellement se détériorer avec le cyclone qui approche. Ces derniers jours, de nombreuses voix de consommateurs se sont élevées pour dénoncer la flambée des prix des légumes. Aucun légume ne semble être épargné par cette hausse généralisée. Alors que les consommateurs dénoncent des pratiques abusives, les planteurs et les maraîchers tentent de justifier cette situation qui, selon eux, devrait persister pendant au moins 2 mois. Adila Molit Sarouar, Émilie Payenne. Un pâtisson à 800 roupies ou encore un demi-kilo de piment à plus de 1000 roupies, la récente flambée des prix attise le courroux du consommateur. Aucun légume n'est épargné, des breads au géromon en passant par l'oignon et la pomme de terre. Toutefois, la situation avait été quelque peu rétablie avec l'intervention des autorités, mais la cherté des légumes demeure une source de préoccupation majeure pour le consommateur. Selon certains maraîchers, la hausse des prix des légumes s'explique par plusieurs facteurs, notamment les aléas climatiques, aussi la relocalisation de la vente aux enchères de Port-Louis à Wootton qui entraîne des coûts supplémentaires car les acheteurs doivent se rendre sur place. Les maraîchers soulignent que les prix auxquels sont vendus les légumes par les producteurs ont également contribué à cette hausse. Du côté de l'Association pour la protection des consommateurs, l'on explique que certains facteurs comme les inondations et les cyclones ont impacté certaines plantations de légumes, bien que de manière localisée. Cependant, la CIM exprime des réserves quant aux justifications données pour les hausses des prix observées sur des légumes. L'association annonce ainsi qu'elle mène une enquête pour analyser les prix en vigueur. Une fois les données collectées, elles seront partagées avec les autorités. Certains produits sont plus affectés que d'autres, explique la CIM, mais le maintien de prix élevés sur cette gamme de produits, dit-elle, est une source de préoccupation. Et les prix des barres de fer à Maurice ont aussi connu une hausse. Eux, ils ont augmenté d'environ 10% en ce mois de février par rapport au prix pratiqué il y a 4 mois. Selon les importateurs, si la crise en mer Rouge persiste, les prix pourraient encore grimper. La possibilité d'une pénurie n'est également pas à écarter. Un coup dur donc pour ceux qui s'engagent dans des projets de construction. Lina Gouraya Poligadou, Anna Korimbokos. C'est le cas de le dire, les prix des barres de fer accusent une hausse de 10% en ce mois de février. C'est ce qu'indique l'un des principaux importateurs de barres de fer à Maurice. À titre d'exemple, le prix d'une barre de fer de 8 mm est passé de 167 roupies l'unité en octobre dernier à 184 roupies en ce mois de février. Les raisons avancées incluent l'augmentation du coût des barres de fer dans le pays producteur,
ainsi que l'appréciation du dollar par rapport à la roupie mauricienne et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Rajouté à cela, il y a la crise en mer Rouge, les cargaisons tardent ainsi à arriver à Maurice. Certains importateurs sont d'avis que si les bateaux prennent encore du temps, il faudra craindre une pénurie de barres de fer sur le marché local, ce qui contribuera à faire encore grimper les prix. Outre les tensions maritimes, il y a aussi le manque de devises sur le marché, qui demeure un autre casse-tête. Le procès intenté par Ajane Vallaiden contre le ministère de l'Éducation, le Mauritius Examination Syndicate, et la ministre de l'Éducation, Lila Davidoukan-Lutchman, a de nouveau été appelée en Cour suprême ce matin. Cette habitante de Rosyl conteste le fait que son fils n'ait pas obtenu une place au collège Mahatma Gandhi State Secondary School de Moka après ses examens du PESAC. À l'appel de l'affaire devant la chef-juge ce matin, le représentant légal du ministère de l'Éducation et celui du MES ont déposé un affidavit. Le procès sera de nouveau appelé lundi prochain. À leur sortie de la cour, Ajane Vallaiden, son fils et quelques individus ont tenu une manifestation symbolique avec des pancartes en main devant la Cour suprême. Ajane Vallaiden demande à la justice de traiter cette affaire au plus vite, car son fils n'est toujours pas scolarisé. Ajane Vallaiden, propos rapporté par Kevish Loximon. Après un mois qu'Imofine dépose la plainte, c'est aujourd'hui que la partie adverse communique sa position. Et il vient filer sur un affidavit. Mais il y a deux affidavits, un du ministère de l'Éducation et deuxième de la MES. Et nous ne pouvons pas rentrer en détail de ban point qui vient avancer. Mais il est clair qu'il ban là l'ON Fishing Expedition. Et trois affaires qui m'ont noté, c'est d'abord de dire que pour rendre public le ban résultat, nous visons l'approbation ban candidat eux même et ainsi qu'ils autres parents. Deuxième affaire qu'ils ont dit, qui sa plainte là, ils peuvent mettre en cause, nous peuvent challenge l'autorité du ministère. Troisième affaire qu'ils ont dit, qui c'est pas forum approprié, pas la procédure appropriée pour sa question là. Donc, il est clair pour moi que le représentant du parquet et la partie adverse paient, comment on dit, une fishing expedition, au PCI, débattent. Mon garçon va bien le collège. Et Libé prend une leçon particulière. Marie-Lourde Jolicoeur explique avoir été souvent brutalisée par son concubin Frédéric Natian. Dimanche, aux petites heures du matin, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a sectionné la carotide de l'homme de 50 ans lors d'une énième dispute à leur domicile à Diol-Vacoua. Dans le passé, elle affirme avoir été victime de brutalité. Cela après plusieurs parties de beuverie. Samedi soir, le couple consommait de l'alcool. Quand une dispute a éclaté, Marie-Lourde Jolicoeur s'est saisie d'un cutter et a infligé plusieurs coups à la victime. Les détails avec Shehzad Jadou. Elle n'a pas réalisé que son concubin avait rendu l'âme après cette agression. Sous l'influence de l'alcool, elle s'est endormie à côté du cadavre et c'est à son réveil le matin qu'elle a réalisé que Frédéric Natian avait rendu l'âme. Pris de panique, elle a alerté ses voisins qui ont alerté la police et le SAMU. Interrogée par la CID de Vacoua, Marie-Lou Jolicoeur explique que les choses se dégénèrent quand il consomme de l'alcool. À plusieurs reprises, elle a été victime de brutalité. Samedi soir, l'alcool coulait à flot et une énième dispute a éclaté. Marie-Lou Jolicoeur s'est saisie d'un cutter dans un tiroir et l'a saigné de plusieurs coups au visage. Elle n'a pas réalisé qu'à ce moment précis, elle avait touché la victime au cou. Ce matin, elle a été provisoirement inculpée de meurtre devant la cour de district de Curepipe et la police a objecté à sa remise en liberté. Conditionnelle. Anita Goura, nommée Ombudsperson for Children, l'ancienne directrice au ministère de l'Éducation, a prêté serment devant le président de la République, Pradeep Rupan, ce matin. Elle succède ainsi à Rita Venkatasamy et occupera ce poste durant les 4 prochaines années. Anita Goura parle de continuité du travail déjà accompli. Écoutez.
Je remercie le président, son excellence le président, et le gouvernement de m'avoir nommé comme ombudsperson veteran. Comme vous le savez, ça comporte beaucoup de responsabilités. Je vais travailler dans la continuité, un peu ce qu'ont fait déjà mes prédécesseurs, mais quand même avec focus sur les responsabilités des enfants. Parce qu'on parle beaucoup du droit des enfants, mais il est grand temps qu'on assume aussi les enfants, commencent à assumer leurs responsabilités. En même temps, il faut qu'on écoute la voix de l'enfant. Parce que chaque enfant a une histoire et il faudrait peut-être qu'on commence à écouter ce qu'eux, ils veulent. Évidemment, il y aura beaucoup de défis. Je suis habituée parce que j'ai été directrice dans le ministère de l'Éducation aux défis, beaucoup de challenges. J'espère pouvoir vraiment délivrer avec, comme on dit en anglais, to the best of my ability. Pour le troisième jour de suite, la famille de l'opposant russe Alexeï Navalny n'a pas été autorisée à voir sa dépouille, les autorités arguant qu'une prolongation de l'enquête sur la mort en prison. Sa femme a rencontré lundi à Bruxelles les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Peu avant cette réunion, Yulia Navalny a accusé le président russe Vladimir Poutine d'avoir tuer son mari. La veuve d'Alexeï Navalny s'engage à poursuivre son travail en faveur d'une Russie libre. Didier Rose. Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexeï Navalny, s'engage à poursuivre son travail en faveur d'une Russie libre. C'était lors de sa rencontre avec des ministres européens à Bruxelles. Dans une vidéo diffusée, Yulia Navalnaya appelle ses partisans à se rassembler à ses côtés, tenant le président Vladimir Poutine responsable de la mort de son mari. Elle déclare également qu'elle détient des informations précises sur les raisons pour lesquelles Poutine aurait ordonné l'assassinat d'Alexeï et qu'elle prévoit de les rendre publiques prochainement. Des représentants ont précédemment rapporté que la mère et les avocats de Navalny avaient été empêchés d'accéder à une morgue où ils auraient pu retrouver son corps potentiel. Les autorités pénitentiaires prétendent qu'il aurait succombé au syndrome de mort subite dans une prison isolée de l'Arctique vendredi dernier, mais ses alliés soupçonnent qu'il a été assassiné sur un ordre du président Vladimir Poutine. Le Kremlin rejette fermement ces accusations comme étant franchement odieuses et affirme qu'aucun résultat n'a été obtenu dans l'enquête sur la mort de Navalny. Âgé de 47 ans, Alexeï Navalny était l'une des figures majeures de l'opposition en Russie et il était incarcéré pour des accusations largement considérées comme politiquement motivées. Et Bruxelles a annoncé ce lundi sa propre mission de protection du trafic maritime en mer Rouge, perturbée par cette attaque, des attaques des rebelles yéménites Houthis. Plusieurs pays ont fait part de leur intention de participer à cette mission, baptisée ASPID. Plus tôt hier, le ministre israélien Benny Gantz a averti qu'Israël lancerait une offensive contre la ville de Rafah si les otages israéliens détenus à Gaza n'étaient pas libérés d'ici au Ramadan qui débutera autour du 10 mars. Ashnan Okchedi-Rabo. Le membre du cabinet de guerre israélien Benny Gantz a lancé un ultimatum au Hamas. Libérer tous les otages détenus à Gaza avant le 10 mars ou faire face à une offensive à Rafah. C'est la première fois qu'Israël annonce une date limite pour l'entrée de ses troupes dans la ville sud de Gaza, densément peuplée. La perspective d'une telle attaque à Rafah où vivent quelque 1,5 million de Palestiniens a suscité une condamnation mondiale. Plus tôt, l'agence de santé de l'ONU a rapporté qu'un hôpital vital de Gaza avait cessé de fonctionner après un raid israélien. Les forces de défense israéliennes ont pris d'assaut le complexe jeudi, affirmant que des renseignements indiquaient que des otages capturés par le Hamas y étaient détenus. Les Israéliens ont défendu leur opération à Nasser comme étant précise et limitée, accusant le Hamas, je cite, d'utiliser cyniquement les hôpitaux pour le terrorisme. S'exprimant hier, Benny Gantz, ancien ministre de la Défense, a déclaré « Si nos otages ne sont pas chez nous avant le Ramadan, les combats reprendront partout, y compris dans la région de Rafah. Le Ramadan, le mois saint du jeûne islamique, commence cette année le 10 mars. » Et on referme cette page internationale avec ces images spectaculaires de Californie aux États-Unis. Un morceau de falaise effondré dans l'océan et de luxueuses villas qui se retrouvent au bord du vide. En Californie, la petite ville côtière de Dana Point est le théâtre d'une scène frappante après la dernière tempête hivernale. Voyez plutôt ces quelques images. Thank you.
Et du sport, pour terminer, le compte à rebours commence pour les boxeurs Richarno Collin et Mervyn Clerc. Ils mettent le cap sur l'Italie ce soir pour effectuer les derniers réglages en vue du tournoi de qualification olympique qui se tiendra du 29 février au 12 mars à Busto Arsizio. Richarno Collin et Mervyn Clerc veulent y croire. Ils joueront leur va-tout dans ce tournoi pour obtenir le sésame qui leur ouvrira les portes des Jeux Olympiques de Paris en juillet prochain. Jenny Raboud. On reste concentré, le mot objectif. Parce qu'il n'y a pas donné la chance à tout le monde pour aller possible d'un tournoi de qualification. Ben, moi, il profite de la chance. Je tiens à remercier tout le monde qui m'a soutenu à moi. Et moi, franchement, mais tout dans la main, bon Dieu, mais tout dans la main, voilà. Parce qu'il dit qu'on est certainement bien. Bon, on veut de moi à fond pour me garder le meilleur du même. Je ne veux pas pour moi gagner, mais en tant qu'adversaire, je suis toujours conscient qu'il a gagné, qu'il a perdu. Mais c'est moi, je ne peux pas pour gagner, je ne peux pas pour perdre. Je ne peux pas pour perdre. En étant testament, moi, avec mon grand frère Colin, nous entraînons ensemble même, les valides camarades, nous tous les deux assez bien. Nous sommes confiants de nous. Bon, mon confiant, confiant mon capacité, on est mon carrière. Malgré notre catégorie qui sont 69 kilos, mais mon assez adapté, mon bien. Bon, voilà. Rien d'autre chose dans la tête à porte, mon grand victoire avec mon qualification olympique. Arrêtez ce qui arrive, mon pari. Sur ce, nous arrivons à la fin de ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée.